Salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans The Witcher 3 Wild Hunt, toujours à Skellige. On s'est occupé de... Et maintenant on va s'occuper de Ceris qui elle est partie bien de son côté. Mais d'abord, petite coupe de cheveux parce que là on la barbe c'est trop. Que puis-je pour vous, voyageur? Voyez-vous me couper les cheveux? Ils cachent ma vision. Vous foutez de ma gueule? Un peu. Non mais c'est pour la barbe. Mais c'est vrai qu'on pourrait... Une moustache et une mouche. Non, on va éviter. Rasage de près. Parce que là c'est abusé. Hein. C'est-à-dire un clochard. Clochard avec deux épées, certes. Mais quand même. Ah. Long et lâché. Lâché, pas trop long. Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh oui! Adieu. Adieu. Putain, cette coupe de héros de shonen. Hein? Mais où ta porte, connard? T'es de l'autre côté, évidemment. Évidemment. Bonjour, je rentre chez vous comme dans un moulin. Patientez un instant, vous voulez bien? Alors, le serpent géant a sorti la tête de l'eau et m'a arraché le bras. Les dieux ont parlé. Ils exigent un sacrifice. Pour moi... C'est vous qui avez vaincu le serpent, Jarl. Non. Seul un sacrifice pourra les apaiser, j'en suis sûr. Je vous en prie. Attendez un autre signe, une autre vision. Je n'ai pas besoin d'autres signes. Je cherche Ceris. On m'a dit que je la trouverais ici. La fille Ancret? Je l'ai vue, oui. Où est-elle à présent? Pardon? Ceris, où est-elle? Je n'en sais rien. Arrêtez avec toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardonnez-lui. Il a beaucoup souffert ces derniers temps. Il est malade? C'est vrai qu'il n'avait pas l'air au mieux au banquet de Krar. Désolé, je dois vous laisser. Et Ceris, dites-moi où elle est. Je ne sais pas, demandez à quelqu'un d'autre. Eh bah super. Formidable. Hey, tu te souviens de cette tempête dans la baie d'Ols? Et comment? Sacrée tempête, ouais. Aux amis, on montre notre cœur. Aux ennemis, notre hache. J'espère qu'il a eu très mal. Ta gueule. Salut. Nous servons celle qui est la Vierge, la Mère. Bonjour. Pam, qui vivent pendant des mois et des mois, et voilà que maintenant les étrangers poussent comme des champignons. Vous avez faim, étranger? Soif, peut-être? Je cherche Ceris, la fille du Jarl Ancret. Vous l'avez ratée de peu? Elle vient juste de partir. Et vous savez où elle est partie? Elle avait des questions sur notre Jarl et sur son enfance. Alors je l'ai envoyée voir Eirik et Bertora. Qui sont Eirik et Bertora? Eh bien, dans son jeune temps, Eirik était proche du vieux Jarl. C'est le Jarl lui-même qui l'a aidé à épouser Bertora.
Aujourd'hui, ils vivent à l'est du village. Au revoir. Au revoir, étranger. Passez le bonjour à Ceris de ma part. Bien sûr. Enfin, tu viens de la voir. Ouais. Ouais. Salut. Désolé de vous interrompre, mais... Si vous voulez discuter, on peut faire ça autour d'une bonne pinte. Ça vous tente ? Merci, mais je suis pressé. Je cherche une jeune femme. Une certaine Ceris. La fille de Kraren Krait ? Elle est passée ici, oui. Mais ça fait un moment. Au revoir. Au moins, elle est passée, quoi. Ishlin. Berktora. Ah bah oui. Oh, c'était juste Bonjour. À côté, en fait. Je cherche quelqu'un. Vous avez bien de la chance, alors. Moi, je suis déjà prise. Mais au village, c'est pas les jolies filles qui manquent. Alors, je cherche quelqu'un, mais pas comme ça. Je cherche Ceris. Ce petit bout de fille. Elle a de jolis yeux de biche, pour sûr. Et elle vient d'une bonne famille. Oh, putain, mais... Mais on n'a que la peau sur les os. Je ne sais pas où elle est. Et son père... Bah, dites au vieux Krar de pas s'en faire. Sur les îles, une fille de Skelly, je ne risque rien. Elle était ouais. là pas plus tard que tout à l'heure. Elle voulait voir mon homme, Eric, pour lui poser des questions. À cette heure, ils doivent être sur la plage de l'autre côté de l'île. Merci. Au revoir. Bonne chance. Eh ben voilà, suffisait de demander. Bon, elle avait clairement pas les mêmes... comment dire, priorité que moi, mais voilà. Enfin, par contre, c'est pas tout ça, mais on a des niveaux à prendre, non? Oui, deux. On va finir le bouclier explosif, pourquoi pas. Ça c'est quoi, bouclier actif? Génère un bouclier qui draine votre vigueur? Bah non. Marionnette. L'ennemi ciblé devient temporairement votre allié. C'est rigolo ça. Ah mais il faut l'activer. On va juste améliorer ça et... Et ça c'est quoi? C'est... Le jour votre vitalité se régénère de 10 points supplémentaires par seconde au lors des combats. Ouais, d'accord. Si vous disposez de points d'adrénaline, ceux-ci sont utilisés pour réduire le coût d'intoxication des potions, ouais, d'accord. Consommer des aliments régénère la vitalité pendant 20 minutes. Ah oui. Ignorer les effets des bombes et des carreaux spéciaux, c'est pas mal. Attaque une bombe, mais elle fait 3 fois les dégâts, quoi. Ouais, c'est ça. 200%. Ah oui, après, les armures, c'est bien. C'est quoi, ça? Poids maximum? Ah oui, ça, c'est cool. Oh. Les critiques, c'est cool. Vous pouvez tirer un carreau supplémentaire avant de devoir recharger, c'est pas mal aussi. Ah, ça, c'est trop, trop bien. Utiliser des points de vigueur pour lancer des signes. Ça, c'est craqué. Bon, en l'occurrence, j'ai pas d'autres emplacements pour activer ce talent. Mais... Tu vas peut-être pas me reconnaître. Oula! C'est plutôt Igni qui me connaît. Je me suis même pas reposé après cette quête. Ça
Saloperie de Muir Diableur. Des putains de charognards, ouais. On leur a donné une bonne leçon. Bon. À part pousser des cris, vous n'avez pas fait grand-chose. Peut-être. Et si j'avais pas crié, vous seriez en train de nourrir les poissons. Oui, et sans moi, vous seriez encore en train de moisir sur votre rocher. Pour l'amour de Freya, d'accord. D'accord, vous m'avez sauvé la vie. Vous voulez que je chante vos louanges sur toute l'île, peut-être? Non. Dites-moi juste où trouver Ceris. Ça suffira. Si vous pensez que je vais raconter des choses sur une âne crête parce que vous m'avez aidé, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ah! J'ai fait des points. Dites-moi où est Ceris. Elle m'a posé des questions sur notre jarl et sa famille. Elle est partie voir la vieille maison du Dalric, là-bas sur la colline. Au revoir. Merci. Là-bas sur la colline. Alors attends, parce que... Gérald, il part, mais... Il a plus de potions, il a plus de bombes à mon cul. Là-bas sur la colline, ok. C'est sûrement la maison en haut, là. Pour moi, c'est plus une montagne qu'une colline, mais... Mais admettons... Bon, le jeu me dit de repartir sur la route. Alors, on va repartir sur la route. Mais le jeu me dit d'aller par là. Alors que mon objectif est là-bas. La maison a l'air d'être pas loin en plus. Je me rappelais plus de la touche de saut. Voilà, c'est là. Le jeu est drogué. Ceris, sans doute. Quelle est la cave? Bah écoute. Prends. De l'eau. Putain, c'est quoi qui coule là? C'est dégueulasse. Okay, il se passe quelque chose ici. Hein. Ceris. Évanouie. Je dois la sortir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Oh, ma tête. Un mal de chien. Vous avez pris un sacré coup sur la tête. Gérald, que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher. Krar se fait un sang d'encre. Je vous ramène chez vous. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas aidé Udalric. L'épée. Où est l'épée? Je dois rentrer au plus vite. Calmez-vous. Vous devez reprendre des forces. Je viens de vous trouver là-dedans, à moitié morte. Je dois... Vous devez rester ici. Et m'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Je voulais aider Udalric. Il n'a plus toute sa tête, c'est vrai, mais je ne vois pas en quoi explorer une maison hantée pourrait l'aider. Si j'avais trouvé l'épée, ça l'aurait aidé. Pourquoi cette épée est-elle si importante? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udalric. J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udalric. Une malédiction? C'est une longue histoire. Il y a des années de ça, Udalric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée. D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udalric, le fils aîné. Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brogvar. Ah oui. C'est une grave insulte dans ce pays.
Oui, assez grave pour qu'Udalric brise une loi sacrée à Skellige. Il a osé remettre en cause la décision de son père. Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose. Ils ont enchaîné Udalric à un rocher en pleine mer, plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant 3 jours. Une fois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki. Je parie que la petite virée en mer a mal tourné. Oui, malheureusement. Il y a eu un accident. Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête. Udalric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver. Et qui dit qu'il n'a pas poussé son frère ? Bien sûr, tout le monde a pensé la même chose. Mais personne n'a rien dit. Et vous, qu'en pensez-vous ? Udalric aurait vraiment tué Aki ? C'est impossible à dire. En revanche, qu'il soit responsable ou non, Udalric est aujourd'hui terriblement affecté par cette journée funeste. Et l'épée est peut-être la clé de toute cette affaire. Que comptez-vous faire de l'épée ? Je me suis dit qu'elle pourrait apaiser l'esprit d'Aki. Le fantôme du frère ? Oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important. Depuis sa naissance, les gens croient qu'Udalric est l'élu des dieux, que ces derniers lui parlent. Pendant longtemps, je l'ai cru moi aussi. Mais maintenant, plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il est hanté, et que c'est son frère qui le hante. Intéressant. Mais ce genre d'idée ne fait pas de vous une hérétique ? Ça m'est égal. Je ne crois pas que les dieux lui parlent. Vous l'avez vu ? Il est couvert de cicatrices. Je croyais que c'était des blessures de guerre. Oui, la guerre qui ravage son cœur et son esprit. Je lui en ai parlé, vous savez. Il m'a dit que les dieux lui ordonnent de se mutiler pour éprouver sa foi. J'ai des doutes. Je pense plutôt que c'est Aki. Vous croyez que Aki veut se venger ? Parce qu'Udalric l'a laissé mourir ? J'ai parlé à Yort. Il jure qu'Udalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki. Je ne pense pas qu'il se trompe. Il connaissait les deux garçons depuis qu'ils étaient tout petits. À mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Udalric. C'est une bonne idée, à condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Quoi donc ? Si Aki est mort en mer, pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison ? Aki et Udalric ont vécu ici. C'est peut-être pour ça. Bien. Merci de votre aide, Gérald. Mais je dois retrouver l'épée. Pas question. Je vais m'en occuper. Vraiment ? Merci. Je vais retourner voir Udalric. Vous tenez à peine debout. Restez ici et reposez-vous. Nous irons voir Udalric ensemble à mon retour. Bon. Plateau de ses morts. Et si je monte ? Il y a une porte là, donc elle sert à quelque chose. Il y a un étage. Ça pour un plateau. Bon. La cave donc. Chelou, hein.
Vous avez trouvé l'épée ? Je l'ai trouvée. Allons-y. Dans ce cas, après vous. J'espère que c'est pas trop loin. Mon père et vous étiez amis, me semble. J'espère que c'est toujours le cas. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez brouillé. Je ne sais plus bien pourquoi. Vous parlez de cette histoire avec Yennefer ? C'était il y a longtemps. En fait, c'était avant que Krar ne rencontre votre mère. Mais Yennefer et vous, vous vous connaissiez déjà ? Les choses n'ont jamais été très simples avec Yen. Qu'est-elle de spécial ? Qu'est-ce qui vous attire chez elle ? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je n'ai jamais choisi la facilité, le calme et la tranquillité. Tu m'as-tu sous des cieux, moi, Clément ? Ça va, c'est pas loin en vrai. Dalle veille sur le clan Tuercer. C'était là-bas, hein. Ouais. Très bien. Alors, où est Yennefer ? Je l'ignore. Pourquoi ? Je me demande juste pourquoi elle vous a laissé venir ici tout seul. Comment ça, laisser venir ? Ne le prenez pas mal. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle n'aime pas vous savoir trop loin d'elle. Regardez, les voilà. Il fait trop clair. La lumière me brûle les yeux. Un peu d'air frais vous fera du bien. Les dieux ne seront pas contents. Jarl, vos hôtes, vous n'avez pas oublié. Qu'est-il arrivé à votre main ? Je l'ai sacrifié aux dieux. Ne lui en voulez pas, Jarl. Geralt connaît mal nos traditions. Les dieux occupent une place centrale dans la vie des habitants de Skellige. Et nos offrandes sont en conséquence. À nos yeux, la souffrance représente le sacrifice ultime qu'un homme puisse faire pour les dieux. Entendre les dieux est une bénédiction, pas un sacrifice. Ces voix que vous entendez. Les voix des dieux, oui. Ce ne sont pas les dieux. Mesurez vos paroles, étrangers. Ici, sur Skellige, nous honorons les dieux. N'étiez pas l'hôte d'un crête. Le sorceleur ne pensait pas à mal, Yarl. Vous devriez peut-être écouter ce qu'il a à dire. Les voix ont sans doute un rapport avec la mort de votre frère. J'ai parlé d'Aki à Geralt. Nous en avons conclu que... Les dieux sont peut-être en colère, mais c'est sa mort qui vous ronge. Pour trouver la paix, vous devez obtenir son pardon. Je ne voulais pas. Aki est tombé à l'eau. Les dieux seront mécontents. Les dieux de Skellige sont-ils si cruels qu'ils vous refuseraient toute chance de pardon ? Ils sont justes. Voilà tout. Et la justice exige de rendre aux morts ce qui leur appartient. Qu'attendez-vous de moi ? À quel endroit Aki est-il tombé à l'eau ? Près de la pointe est de l'île, à l'entrée de la baie. Le courant nous avait poussés vers l'aiguillon d'Ulula. C'est un endroit dangereux. Les courants sont traîtres et ont entraîné plus d'un marin à sa perte. Nous devons y aller. Le fantôme d'Aki ne trouvera pas le repos tant que Brokvar ne lui sera pas rendu. Non ! Non ! Non ! Les dieux ! Ils seront furieux, je le sens. N'ayez crainte, Jarl. Les dieux vous aiment, tout comme ils aimaient Aki. Tout ceci est leur volonté. Je pense pouvoir y aller. Après tout, ce n'est pas nécessairement à vous de lui remettre l'épée. Je dois pouvoir l'identifier avec certitude. Aki avait-il un signe distinctif ? Un vêtement ?
Un bijou qui aurait pu survivre à un long séjour dans l'eau. Oui, l'anneau de notre clan. Bien, ça devrait faire l'affaire. J'y vais. Et du coup, la pointe de l'île du Lula, là, est-ce que ça a un rapport avec les noobs? Est-ce que si on y va, on joue mal et on joue mal et on réclame de l'argent à tout le monde pour faire des séries slash films séries mal montées et mal branlées? Parce que je sache, hein, si c'est pour devenir acteur amateur. Et jouer moins bien que mon chat, c'est pas la peine quoi. J'aime autant éviter. Bon, on va casser du noyer en attendant. Enfin, bon, en passant, je veux dire. En attendant. Pas que ça à faire. Bonjour, il y a même un noyadé, dis donc. Et un trésor caché. Sans jeu. D'accord. Bon, c'est bonnet blanc et bonnet bleu et blanc bonnet, j'ai envie de dire. Ah! Pourquoi sur la note? Le mât tordu marque l'endroit, mais le trésor ne se révèle pas au premier. Ah, bah si, venu. Je prends ce. Ça doit être ici. Ah, vous m'emmerdez du cul! Tordu. Moi, je connais les mots tordus. Prince de mots tordus, ça me dit quelque chose, y a pas de problème. C'est le comte de mots tordus d'ailleurs, c'est pas le prince. C'est bon! Putain, mon épée qui est déjà en PLS. J'utilise trop. J'aurais pas sortir mon épée à tout bout de champ. Je suis pas sûr que cela ait servi à grand chose. Il est temps de rendre visite à Udalric. Celui qui est là-bas aussi. Qu'est-ce que t'es moche? Ok. Je vais pouvoir remonter par là, oui. Des chèvres et des lièvres. Dire un mauvais nom d'émission de jeu de rôle. Ah, je pense que ça n'a pas marché. J'ai bouclé ma hutte ou pas? Je n'ai jamais vu un homme aussi brave. On cherche l'aventure. Qu'est-ce qui se passe? Udalric, les voix lui ont demandé de s'arracher un œil. Quoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Telle est la volonté des dieux. Un sacrifice pour Aki. Quand avez-vous entendu les dieux? Juste après mon départ? Oui. J'ai senti venir la fatigue et je me suis allongé. Les dieux m'ont alors révélé leur volonté. Ils vous parlent dans votre sommeil? Oui. Toujours. Que voyez-vous? Ils vous apparaissent à un endroit précis? Mon ancienne maison. Ils me demandent d'allumer des torches, puis me parlent depuis les ombres. Les dieux, que voulaient-ils exactement? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient en colère. Ils m'ont dit: « Misérable vermine,
Ton frère est mort par ta faute et tu n'as pas osé lui demander toi-même pardon. Arrache-toi un œil et dans ta souffrance, regrette tout le mal que tu as fait. Avez-vous vu les dieux distinctement ou bien reste-t-il toujours dans l'ombre ? Une nuit, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai rêvé que ma torche brûlait plus fort que jamais. Alors, j'ai pu distinguer une forme floue dans les ténèbres. Vous dites que les dieux vous parlent depuis les ombres. Est-ce pour cela que vous avez banni toute lumière ici ? Dans mes rêves, j'aperçois parfois leur silhouette. Quand les torches brûlent haut. Voir les dieux est un grand honneur. En éclairant votre demeure, vous pourriez peut-être les apercevoir ailleurs qu'en rêve. Les simples mortels sont indignes de contempler leur visage. Est-ce que les dieux exigent toujours de vous voir souffrir ? C'est le seul moyen de les apaiser. Mais ils en demandent toujours plus. J'ai remis l'épée à Aki, mais rien n'a changé. Ce n'est pas le fantôme de son frère qui le hante. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je peux vous parler en privé. Passons dans l'autre pièce. Allez-y. Je vous écoute. Il s'agit d'un blême. Une créature issue de la conjonction. Aussi rare que dangereuse. Elle s'attaque aux hommes coupables de graves méfaits. Le blême se nourrit de leurs souffrances pendant des années et attise leur culpabilité. Au bout du compte, il oblige ses victimes à se mutiler. Quel terrible sort. Et vous savez comment vaincre ce monstre ? Ah, je connais deux méthodes. Il est peut-être possible de duper un blême. Il faut faire semblant de commettre un acte affreux pour l'inciter à se jeter sur vous et vous choisir comme nouvelle victime. Si le blême comprend qu'il a été trompé, il sera obligé de partir. C'est parfait. Faisons-le. À ma connaissance, personne n'a jamais réussi. Oui, mais personne n'a encore trouvé la bonne ruse, c'est tout. Et l'autre méthode ? Les bestiaires des sorceleurs disent qu'il faut passer une nuit dans l'antre du blême. Avec l'individu affecté. La maison hantée ? C'est un peu rustique, mais vous avez certainement déjà dormi dans des endroits moins confortables. Il ne s'agit pas de dormir. Faut faire sortir le blême des ombres, l'obliger à se montrer. C'est le seul moyen de le blesser. Je vois. Et il rendra coup pour coup, évidemment. Vous avez vu Udalric. Le combat sera difficile. Je crois vraiment qu'on devrait au moins essayer la ruse avant de recourir à la force. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et chaque méthode a ses inconvénients. Comment ça ? Le blême est un démon. Il est donc difficile à berner. Sans compter que celui qui le trompe doit être convaincu de son méfait. Quoi ? Le blême s'en prend uniquement aux personnes rongées par le remords ou persuadées d'avoir commis un crime. Il décuple leur culpabilité et s'en nourrit. En clair, si le trompeur ne ressent aucun vrai remords, le blême s'en rendra compte. Je vois. Pour que la ruse fonctionne, si l'un d'entre nous a une idée, il ne peut rien dire à l'autre. Exactement. Qu'en est-il de l'autre méthode ? Passer toute la nuit dans l'antre du blême pourrait être fatal à Udalric. Vous croyez que le blême pourrait s'en prendre à Udalric ? Non. Il ne prendrait pas le risque de perdre sa proie. Mais Udalric est très affaibli. Et la maison fera remonter des souvenirs douloureux. Pour le blême, ce sera un véritable festin d'émotions. Plus Udalric souffrira, plus le blême sera puissant. Et plus il sera dangereux pour vous. Les deux méthodes sont risquées. Mais je penche plutôt pour la ruse. À vrai dire, j'ai des doutes. Ne me dites pas que vous avez besoin de poser la question à Yennefer. Dans le pire des cas, nous pourrons toujours employer la manière forte.
Vous avez un problème avec Yennefer? Ce n'est pas la première fois qu'elle revient sur le tapis. Non, rien. Vous êtes juste souvent. Du même avis qu'elle, c'est tout. Vous pensez qu'elle me mène par le bout du nez? Ce n'est pas surprenant. Vous êtes un homme comme les autres, après tout. Que vous soyez marin bourru, preux chevalier ou sorceleur, vous êtes tous les mêmes devant une jolie femme. Eh ben merci. Que voulez-vous? La nature est ainsi faite. Bien. On essaie la ruse alors? Oui, allons-y. Bonne décision. Le seul endroit où cela a une chance de marcher, c'est dans la tanière du blême. La maison hantée. Dans ce cas, après vous. Allons-y. Ne perdons pas de temps. La flemme de refaire le chemin. Solide. On ne fait plus les mêmes sur le continent. Siri ! Non. C'est impossible. Non, non. Vous essayez de me décourager. Tant mieux. C'est que vous avez peur. Petit bâtard. Le miroir est brisé. Udalric a peut-être eu peur de voir la créature dans son dos. Ah, ça me rappelle le... Ça me rappelle... Il y a un truc comme ça dans Doctor Who aussi, avec une créature qui... Qui se colle dans le dos et qui fait voir des illusions. C'est juste de gros insectes dégueulasses. C'est dangereux. On pourrait se casser une jambe. Le cou. Bon, là, y'a rien. Les oiseaux n'ont pas fait leur nid dans le chemin. Bon, putain, mais ces bruits de hentai dégueulasses. Bon, l'avantage, c'est que j'ai déjà allumé la lumière partout ici. Si je monte. Rien de spécial, hein. C'est dangereux. On pourrait se casser une jambe. Ou le cou. En tout cas, il y a quelque chose. Ah, c'est ça que j'avais pas vu. Un vieux berceau. Sans doute celui du Dalric ou d'Aki. Gérald, venez. Je crois que j'ai une idée.
Vous avez quelque chose ? Oui, j'ai un plan. Je crois que ça devrait marcher. Je peux en savoir plus ? Non, attendez-moi ici. J'en ai pas pour longtemps. Oui, mais encore. Vous l'avez dit vous-même. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous allez devoir me faire confiance. Ça me plaît pas. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, moi aussi. Ah, super. Bon, on peut commencer ? Ok. Je suis prêt. Très bien, je reviens tout de suite. En attendant, allumez un feu dans le four. Là-bas, elle va vers la vieille maison. Attrapez-la ! Prenez-le. Mettez-le dans le four, vite. Quoi ? Fais-moi confiance. Comment ça ? Ne faites pas de mal à l'enfant. Donnez-le-moi. Le four, jetez-le dans le four. Allez hop ! Thermostat 7. Je sais pas s'ils vont me raviter dans le coin. Oh là là, on se calme. Il l'a appelé comme son frère. Le sorceleur n'a commis aucun crime. Vous ne trouverez que soulagement, pas de désespoir. Vous avez été trompé. Partez. Chez. C'est fini. Fini ? Nous avons dupé le blême. Pensant que j'avais tué votre enfant, il vous a abandonné pour me hanter moi, se repaître de ma conscience. Mais quand il a vu que le bébé n'avait rien, il a dû partir. Vous êtes libre, Jarl. Libre ? Le blême est parti, et avec lui les voix qui vous hantaient. Fichons le camp d'ici. Que m'arrive-t-il ? J'ai la tête qui tourne, comme dans un tourbillon. Geralt, vous disiez que c'était fini. Ce n'est rien, il est épuisé, c'est tout. Laissez-lui un peu de temps. Que vais-je faire, à présent ? Tout ira bien. À condition de ne plus vous apitoyer sur votre sort. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi-même. Oui, c'est normal. Le blême est un parasite, il crée un lien très fort avec son hôte. Sa disparition a laissé un vide en vous. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous irez mieux. Merci. Je crois... Adieu.
Il est très perturbé. Je vais rentrer avec lui. Bonne idée. Et ensuite, que comptez-vous faire ? Je vais rester quelques jours pour m'assurer que tout va bien. Et vous ? Vous restez à Spikrul ? Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Yennefer doit commencer à s'impatienter. Vous n'allez pas recommencer avec ça. Oui, pardon. Au revoir, sorceleur. Bon vent et bonne mer à vous. Connasse. Merci. À vous aussi. Au revoir. Laissez-moi me faire manipuler, bordel. Très bien. Bon, on a encore un peu de temps, là. Est-ce qu'on n'a pas un petit contrat à faire ? Ah bah voilà, parfait. On a ça. On a aidé les deux héritiers. Est-ce qu'on va pouvoir choisir comme dans Dragon Age Origins, quand on pouvait choisir quel nain allait devenir roi, enfin un Tan. Otan, je sais plus, le roi, genre oh merde. Trop d'univers différents dans ma tête, au secours. Toujours est-il que ça tombe bien qu'on aille là-bas parce que l'argent la forge. Ok. Maître Gérald, un garde vous a vu depuis la tour et on m'a envoyé vous ouvrir la porte. Eh ben merci. La porte était fermée ? Est devenue la fameuse hospitalité de Skellige. C'est la tradition. Après le banquet, les portes doivent rester fermées tant que les Jarls n'ont pas choisi un nouveau souverain. D'accord. Seuls les fils et les filles de Skellige peuvent rester dans le château. Krar pourrait peut-être faire une exception pour moi. Nulissine ignore ce que vous avez fait pour Ceris et Hjalmar. Yes. Aujourd'hui, vous êtes l'un des nôtres. Venez, Krar vous attend. Deux secondes, hein, parce que... Oh, ils sont tous partis, ces connards. Eh ben, ok. Ah oui, il est tard. Il est 2h50 du matin, j'avoue. Comment ça se passe, là-dedans ? C'est calme. Trop calme. Comment ça ? Nous avons un dicton à ce qu'il dit. À bon banquet, il remet les sangs doivent couler à flot. Vous devez trouver nos coutumes bien barbares, non ? Pas vraiment, non. C'est toujours mieux qu'un banquet où tout le monde s'observe du coin de l'œil. Et intrigue à voix basse. Attention à ce que vous faites. Y'a pas tort. Non. J'ai autant de prétentions au trône que toi, ne l'oublie pas. Tu devrais me soutenir au lieu de me voler mes alliés. La couronne doit revenir à un Ancrete, et... Et quoi? C'est toi le mieux placé, c'est ça? Parce que tu as plus de barbe que moi? Si tu avais un peu de poil au menton, les Jarls t'écouteraient peut-être, oui. Ne me provoque pas, Hjalmar. N'oublie pas que la dernière fois, c'est toi qui as fini le cul par terre. Et alors, tu te crois de taille à affronter les Vilkards? Je me demande qui s'en sortira le mieux, Ceris ou Hjalmar, le tueur de géants. Pauvre crétin, si tu crois que tu m'impressionnes. Ceris. Quelle ambiance? La situation t'échappe un peu, j'ai l'impression. Inutile de retourner le couteau dans la plaie. Mais bon sang, elle est tellement... Têtue, bornée, obstinée, incapable d'écouter les autres. Oui, c'est ça. C'est vrai, Arnvald, c'est vrai. Ceris et moi, nous avons bien le même caractère. Bon, c'est pas tout ça, mais... Je ne vois pas Krar. Il est avec les Jarls. Non, dans ses appartements. En fait, je crois qu'il prépare votre récompense. Qu'est-ce qu'il irait-tu d'un petit combat amical avec les Vilkards à Sorceleur, histoire de dégourdir un peu après ton long voyage? Plus tard, peut-être. Mais moi, j'ai une récompense à aller chercher. Pas mal, je me suis toujours posé la question. Je préfère mon bonne. Mais bonne, c'est bien. Fais quoi? Eh ben, je ferai plus grand chose. Voilà. Je prendrai ma retraite de sorceleur. Et basiquement, c'est tout. C'est déjà pas mal.
Si j'ai la chance de prendre ma retraite déjà. On a peut-être un régime spécial, nous les sorceleurs. Bonjour, Birna. Le banquet n'est pas à votre goût? Vous appelez ça un banquet? C'est une foire agricole où les votes s'achètent et se vendent comme des moutons. Ça n'empêche que la prestance de cette armure. Svan Rigg ne cherche pas de partisans. Le fils de Bran ne s'abaissera pas à quémander une couronne qui lui revient de droit. Autant que je sache, la couronne revient au prétendant qui recueille le plus de votes. C'est la tradition, oui. Mais c'est une mauvaise tradition. La destinée des îles devrait être confiée à une seule famille. Et comme par hasard, la tienne, quoi. J'imagine que vous avez une famille en tête. Bien sûr. Bran était le meilleur roi que Skellige ait connu depuis des siècles. Le trône devrait revenir à Svan Rigg, son fils aîné, puis à ses descendants. En quoi est-ce mal de voter pour élire son roi? Tendez l'oreille, vous comprendrez. Titre, terre, privilège. Les prétendants promettent monts et merveilles pour obtenir des votes. On dirait des catins soulevant leurs jupons pour racoler les passants. Un roi élu par ses pairs n'est pas un souverain. C'est un débiteur. C'est le fils aîné de Bran qui doit monter sur le trône. J'espère que les Jarls finiront par le comprendre. Elle vient de décrire la Macronie ou c'est moi? Vous quittez Kertrold? Demain à l'aube. Amusez-vous bien, Maître Geralt. Bon, même si Macron n'est pas roi, mais on agit un peu pareil. Vous permettez? Et comment? Venez, venez, je vous attendais. Le banquet vous plaît? C'est mieux que vos petits bals continentaux, n'est-ce pas? Au moins, on ne risque pas d'avoir soif. J'espère bien. J'ai vidé ma cave. Bière, hydromel, liqueur de prune saint-trasienne, eau de vie de Mahakam qui vous arrache le gosier. Le clan Ancrate sait recevoir en beauté, qu'on se le dise. Je vous ai vu parler avec Birna. De quoi était-il question? De politique. Au dire, il n'y a que ça qui l'intéresse. Elle a tenté de me convaincre que nous devons honorer la mémoire de Bran et que pour ça, mes enfants doivent se retirer de la course au trône et apporter leur soutien à Svan Rigg. Mon petit doigt me dit que vous avez refusé. C'est peu dire. Je lui ai montré la porte, oui. Vous ne vous sentez pas déchiré entre Hjalmar et Ceris? Vous voulez savoir si j'ai un favori? Non. Ceris et Hjalmar sont aussi différents que le feu et l'eau. Mais le sang des Ancrate coule dans leurs veines. De vous à moi, Hjalmar n'est-il pas trop impétueux pour être roi? Tout dépend du type de roi que vous avez en tête. Si vous voulez un roi diplomate, prudent et calculateur, alors oui, Hjalmar est certainement trop impétueux. Mais Skellige a besoin d'un roi capable de noyer Nilfgaard dans le sang. D'un roi prêt à mourir plutôt qu'à se rendre. Hjalmar sera ce roi. Si vous intensifiez vos attaques, Emir sera furieux. Vous risquez de le regretter. Skellige pisse et crache sur l'idée même d'une paix infamante. Bah au moins, c'est dit. Vous pensez que le conseil des Jarls osera mettre une femme sur le trône? Il y a quelques mois encore, cette question m'aurait fait hurler de rire. Mais aujourd'hui, je vois... Non. Tout le monde voit que Ceris possède une vertu plus rare qu'une brise d'été sur nos îles, la patience. Les autres agissent avant de réfléchir. Elle est différente. Elle prend le temps de réfléchir, pèse le pour et le contre. Mais une fois qu'elle passe à l'action, rien ni personne ne peut l'arrêter. Intéressant. Vous m'aviez promis une récompense, je crois. Oui, et je n'ai qu'une parole. Tenez, cette babiole est dans ma famille depuis des générations. Prenez-la, vous l'avez bien méritée. Eh ben ça, ça fait plaisir. C'est superbe. Merci infiniment. C'est moi qui vous rem... J'ai l'impression qu'ils font la fête sans nous. Je parie que Hjalmar a encore toute la jeune. Non, ça
ce n'est pas Hjalmar. Allons voir. Eh bah d'accord. J'ai envie de... Oula, ils sont plusieurs en plus. Laissez-moi mettre des coups là, il me faut de l'XP. Il y en a un autre. Merde. Il en reste un. Vas-y, Cerise, défonce-le! Attendez, mais pourquoi c'était à l'épée d'argent? Ce jour où un requin m'a... Albion. Il est mort. Grar, d'où sortent ces ours, hein? Réponds-moi. Ne parle pas à mon père sur ce ton. Range ta lame, mon gars. Sinon, Grar va perdre un fils, lui aussi. Tu m'insultes, Lugos. Et tu menaces mon fils. C'est intolérable. Viens ici, alors. Approche. Je vais t'éventrer comme un chien. Calmez-vous. Le sang a déjà assez coulé. Quelqu'un a fait entrer ces bêtes pour tuer nos fils et nos frères. Nous ne pouvons pas leur rendre la vie. Mais nous pouvons, nous devons les venger. Ce lourd fardeau revient à notre hôte et à ses enfants. Trouvez le coupable, Ancrete. Trouvez-le et tuez-le. Sinon, votre clan sera maudit jusqu'à la fin des temps. Eh ben merci, super. Heureusement qu'on t'a filé un coup de main. Hein. Quelqu'un a vu les ours entrer? C'est sans importance. Je sais déjà qui est le coupable. Attends. Tu es fou. Tu es prêt à tuer sans la moindre preuve? Cherche des preuves, si tu veux. Moi, je vais laver l'honneur de notre clan. Les Jarls sont partis, Hjalmar. Arrête de jouer au héros et réfléchis une seconde, tu veux? Je n'ai pas le temps, Sorette. Notre honneur est en jeu. Tu veux bien m'écouter, oui? Quelqu'un a fait entrer ces ours. Nous devons savoir qui, et la réponse se trouve certainement dans cette pièce. Ah, je vais aider Cerise. Vous avez raison, Cerise. Je vais vous aider. Merci. Très bien. On se reverra quand je ramènerai la tête des traîtres. Je vais rester ici. Quelqu'un doit s'occuper des blessés et rendre les morts à leur famille. Merci. Vous avez déjà vu une chose pareille? Non, c'est la première fois. Et aussi la dernière, j'espère. D'où viennent ces ours? Tout le monde mangeait, buvait et faisait la fête. Et puis tout d'un coup, le massacre. Des torrents de sang sur les murs. Que s'est-il passé juste avant le massacre? Soyez précise. Lugos Labeigne s'est vanté de pouvoir vider un fût de bière cul sec.
Il est monté sur la table, s'est saisi d'un tonnelet et il a commencé à boire. Il était rouge comme une tomate, la gorge prête à exploser. Mais il a continué. Tout le monde s'est mis à scander son nom. Lugos, Lugos. C'est à ce moment-là qu'on a entendu un grondement à l'autre bout de la pièce. On s'est retourné comme un seul homme. Et ils étaient déjà là. Les personnes les plus proches des ours n'ont même pas eu le temps de dégainer leurs armes. Les ours les ont déchiquetés. Nous les vengerons, je vous le promets. Qui est mort, au juste ? Drogodar, Dregbondou, Lugos Labeigne, Albjorn, Otrig. La liste est longue. Les prétendants au trône qui en ont réchappé se comptent sur les doigts d'une main. Il ne reste plus que vous, Hjalmar et Svanrig. Que voulez-vous dire ? Je ne sais pas. Ça pue du cul, en tout cas. Assez bavardé. Je vais examiner les alentours. Tenez-moi informé. Je vais interroger les autres. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Ok. Bon, par contre, à la prochaine. Des bisous.